Bonjour les enfants, je vous propose aujourd'hui cette petite vidéo pour vous présenter un jeu de cartes qui va vous permettre de réviser les tables de multiplication de manière ludique. Donc ce jeu nécessite un jeu de 54 cartes. Dans ce jeu de 54 cartes, je vais retirer les 10. Je vais retirer également les têtes, c'est-à-dire les valets, les dames et les rois. Ces cartes ne me serviront à rien, je les mets de côté. Et je garde le tas avec les cartes 1 à 9. Je vais baisser la caméra. Avec ces cartes, je vais les distribuer. Donc, c'est le principe de la bataille fermée. Je distribue les cartes afin qu'au début, tout le monde ait autant de cartes. Ça se joue à deux. Et donc, on va pouvoir commencer à jouer. On ne regarde pas ces cartes. On prend la première sur le dessus. On la pose au milieu. Et on doit trouver le résultat de 3 fois 4, par exemple, ici. La réponse est 12. Le premier qui trouve le bon résultat récupère les cartes et les pose en dessous. Deuxième essai. Une fois 8. Le premier qui trouve le résultat met ses cartes en dessous de son tas. Il est important, je prends un troisième essai, de ne pas dire directement la réponse. Ne dites pas 40. Il faut dire 5 fois 8 égale 40. Ou 5 fois 8, 40. Et je remporte les cartes. Imaginons que l'on trouve le résultat en même temps. 2 fois 9, 18. Si les deux adversaires disent le résultat en même temps, alors ils récupèrent chacun une carte et la posent en dessous. On peut adapter ce jeu également avec les tables d'addition. On pourrait très bien faire, tiens, 3 plus 1. Si on a un petit peu de mal, hop là, ça fait 4. 1, 4 plus 1, ça fait 5. Je peux également le faire avec les tables de soustraction. Je prends le plus grand nombre, ça tombe mal, c'est bon. 4 moins 4, ça fait 0. Deuxième. Voilà. Le plus grand nombre d'abord, 9 moins 3 égale 6. Le but à la fin, bien sûr, c'est celui qui a le plus de cartes, ou celui qui a toutes les cartes, qui remporte le jeu. Voilà. J'espère que vous avez un jeu de cartes et que vous pourrez vous entraîner comme ça quand on va se retrouver à la fin du confinement. On pourra voir si vous êtes bien entraîné. Allez. À bientôt, au revoir.